Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation d'une vidéo haul de chez Nose. Voilà, donc je pensais être passée à côté de l'arrivage Creative Expression et en fait, ben non, heureusement qu'on est allé ce matin parce que ben, l'arrivage était là, il y avait plein de dies partout. Donc c'est mon chéri qui s'en est occupé et donc du coup moi je faisais autre chose et du coup il m'a ramené plein de dies et vraiment je suis trop heureuse parce que franchement les prix ben ils sont là quoi, 1,99 € vraiment c'est inédit quoi, 2,50 € ou 2,99 € peut-être pour les plus chers comme celui-là par exemple. Franchement, bon, je vais vous présenter. Donc j'ai pas fait les découpes, j'en ferai certainement un peu plus tard parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Celui-là il est vraiment géant, il est très très grand ce dice là. Vous en avez dedans donc ils disent un dice et donc c'est une grande, c'est un fond en fait, mais on peut également passer dans les petites rainures là du ruban ou des choses comme ça, pourquoi pas. Et puis voilà, pour faire un fond ça peut être super sympa. Voilà, c'est un grand, je pense, 10-15, quelque chose comme ça. Alors, je n'aurais pas cru que ce soit un carré, mais effectivement, c'est un carré de 13 sur 13. Donc, c'est ça, 13, 13 sur 13. 12, 12, 9, quelque chose comme ça, 13. Donc, franchement, voilà, c'est très, très sympa. Du coup, voilà, du coup, il m'a pris celui-là. Donc pour commencer, vous en avez plein de sortes. Ah, celui-là, c'est à 2,99 €. Voilà, donc je suis très contente. Très, très contente. Il m'a dit, tu sais quoi ce que j'ai trouvé? Je me suis dit, non, vas-y, dis-moi. Ah, j'ai trouvé tes dies, qui m'a dit. Mais j'adore. Voilà, c'est vraiment, je suis trop, trop contente. Vraiment, je suis ravie. Voilà, donc je suis vraiment ravie. Ensuite, il m'a trouvé ce petit dies à 1,99 €. C'est une fleur. C'est une sorte de fleur de forme. Moi, je la trouve très sympa. J'aime bien ce genre de petits dies. Celui-là, il est pas grand. 1,99 €. Je pense qu'on voit bien quand même. Donc, voici de près ce que ça donne. Voilà. Donc, celui-là, il y en a deux. Non, trois qui disent à 1,99 €. Franchement, je suis trop contente d'être tombée dessus parce que l'autre jour, il m'en avait trouvé 3-4 et en fait, dont un qui ne me plaisait pas du tout. Et puis du coup, on l'a ramené au magasin. Et c'est là qu'il m'a dit, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Oh, je lui ai dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, j'étais vraiment trop, trop contente parce que franchement, à 2-3 € le dies, c'est inédit quoi. C'est inédit. Ils ont eu vraiment un sacré coup de bol d'avoir, pour revendre ça à ce prix-là. C'est... Même s'ils ne sont pas d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Je veux dire, c'est des... Donc, je vous en montre un autre en même temps. Donc, celui-là, c'était... c'est marqué dessus, hein, 1,99 €, vous en avez 4 aussi. Voilà ce que ça fait comme forme. Franchement, ils sont très jolis. Regardez ce que ça donne au niveau de ça. Et puis, ben, on voit bien comment ça fait au niveau de la découpe, hein. Donc, l'image est très parlante. Je les trouve très, très bien. Voilà. Donc, je suis vraiment contente. Ensuite, vous aviez celui-ci. Pour vous donner un ordre d'idée, là, vous savez, de la petite fleur. Je vais vous dire combien ça fait en diamètre. Comme ça, vous saurez. Alors, en diamètre, ça nous fait 6 cm. Voilà, 6 cm de diamètre. Et la deuxième, elle fait une longueur de 9,5 et de hauteur, de largeur, on va dire, 9,5 sur 8. Voilà, celle-là, 9,5 sur 8. Voilà, donc c'est vraiment pas mal, pas mal du tout. Donc après, une autre grande fleur, celle-ci, je l'adore, avec le bord en couture comme ça, mais qu'est-ce que c'est beau. Je viens de faire quelques découpes là, hier, de quelques dies. Franchement, c'est très, très joli.
Je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, parce que je ne peux pas tout faire, ça demande énormément de temps. Et comme de toute façon, on les voit bien, voilà, je me dis que donc celui-ci, il a coûté 1,99 € et il fait en centimètres. En envergure, il fait quand même presque 10 et demi, hein, 10 et demi de diamètre pour sa partie la plus grande. 10 et demi et pratiquement 11 même là, de ce que je... Ouais, 11 centimètres. Franchement, c'est trop joli. Très, très, très joli. Pas ce que vous en pensez, mais franchement, ils sont très très beaux. Après, voilà. Après, faut aussi voir l'utilité. Moi, je sais que si dans l'avenir je m'en sers pas, ben, je les revendrai quoi. Je les revendrai ou je les offrirai. On verra. On verra. Donc, ça dépend. Ça dépendra de mon humeur, n'est-ce pas? Après, vous aviez ce petit modèle-là qui est très joli aussi. Donc, 4 dies, 1,99 €. Voilà. Apparemment, j'ai entendu parler de prix de 3,50 €. Je ne sais pas si c'est les mêmes, j'en sais rien. Voilà pour celui-ci. Celui-ci, on dirait que ça pourrait faire comme une petite boîte. Et vous rejoignez les petits bords ici, comme ça, avec un ruban et vous fermez au-dessus, pourquoi pas. Mais ça fait comme un timbre au fond, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup ces formes. J'aime beaucoup ces formes. Après, donc, il y avait celui-ci avec les engrenages. Il est super top, 1,99 €. Celui-là est très très beau aussi. Je suis très contente de l'avoir trouvé. Je l'avais cherché sur Vinted et en fait, je ne l'ai pas trouvé. Et peut-être qu'il y en a qui vont le revendre. Méfiez-vous sur Vinted parce qu'il y en a qui revendent ça à des fortunes. Et là, j'ai vu jusqu'à 22-28 € le dice comme ça. Alors, pas le même que celui-là, mais des grands dice comme ça. Alors après, je ne sais pas combien les gens les ont achetés, mais en tout cas, voilà, méfiez-vous des tarifs que vous trouvez. Voilà, je trouve pas ça vraiment honnête de la part des personnes, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ça, c'était les engrenages. Je suis très très contente. Ensuite, vous aviez un 3,50 €. Celui-là est très grand. Effectivement, il y en avait à 3,50 €. Donc vous aviez ce modèle-là, qui était pas mal, voilà, qui est grand aussi, donc ça pour faire un grand projet, vous voyez à quoi je pense, une boîte à mouchoirs, voilà, par exemple, une boîte à mouchoirs, parce que je voyais la fente au milieu, et ça m'a fait penser à la boîte à mouchoirs, voilà, une boîte à ce que vous voulez en fait, hein. Voilà, vous pouvez tout à fait faire une ouverture comme ça sur le dessus, donc en taille ça nous fait 11 cm sur 16, pas mal hein, quand même. 16 sur 11, et c'est pour ça qu'ils sont un petit peu plus chers. Franchement, c'est chouette. Voilà, c'est chouette. Après, faut aimer les petites formes comme ça, enfin, les formes, les grandes formes, on va dire. Mais ça peut être très sympa pour faire des fonds, pour faire des projets avec des fleurs, pourquoi pas. Enfin, voilà, à voir, parce qu'il y en a qui m'inspirent et d'autres un petit peu moins. Ensuite, vous aviez celui-ci. Avec un entrelacage de formes géométriques. Alors, celui-ci, je ne sais pas si je le garderai, j'en sais rien. Celui-là, c'est 2 dies à 1,99 €. Il peut peut-être servir en petite belly band. Ça pourrait être bien aussi. Ça fait 13 cm sur 13 sur presque 4,5 cm. 4,5. 13, 4,5 cm. Voilà, et ça vous donne ceci. Pourquoi pas faire une belly band? Après, ça peut faire voilà, que ce soit comme ça ou comme ça d'ailleurs, dans des petits projets, pourquoi pas. Ça fait assez antique, hein, il faut aimer ce style, un petit peu baroque, un petit peu ces choses-là. Donc voilà. Après, ici, vous aviez comme je trouve ça un peu comme une roue dentée, un petit peu. Comme des pneus un peu je dirais donc ça c'est des bordures donc il y avait plusieurs regardez moi je trouve ça joli alors comme ça je vais vous montrer comme ça voilà donc celui-là vous en avez 5 pour 1,99 €. Alors ici donc ça mesure en taille ça mesure 13 cm sur une hauteur de 2.
et demi. 2 et demi pour la partie la plus haute. Voilà, la hauteur c'est ici 2 et demi sur 13. Voilà, c'est pas mal quand même. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous ensemble. Donc eux, ils donnent trois possibilités, vous avez vu, pour faire des bordures. Franchement, ça peut être très sympa. Voilà, donc à voir aussi si je l'utiliserai ou pas. Après, vous aviez ici, moi je trouve ça très chouette. Alors, c'est vrai que je ne suis pas amatrice de vin. Je ne bois plus de vin du tout. C'est pas qu'avant j'en buvais beaucoup, mais voilà, du coup, après j'ai eu une opération et depuis je n'en bois plus du tout. Voilà. Et pour des raisons de santé, hein, tout simplement. Et je le trouvais quand même assez sympa. Donc, voir un petit peu, parce qu'il peut faire aussi une base d'automne, puisqu'il y a des feuilles. Franchement, il est très sympa. Voilà comment ça donne. Donc, allez-y à vos noses hein, pour chercher tout ça. Alors, 1,99 €. Je pense que ça fait comme une carte. Il a l'air assez grand. Et celui-là, il n'a qu'un dice. C'est un dice de fond, hein, qu'on peut dire. Il fait 10 cm sur 15. 10-15. Voilà. Carte 10-15. Pour faire un fond, ça peut être vraiment sympa aussi. Voilà. Ensuite, une autre belly band, on va dire comme ça, avec plusieurs possibilités aussi donc pareil, je verrai si je vais l'utiliser ou pas. Donc 5 cm, 5 cm sur 13. Donc ça, pareil, 1,99 €. Voilà ce que ça donne. Entrelaçage comme ça. Et derrière, il y a quand même, c'est assez chargé. À voir si c'est intéressant ou pas. Mais ça peut être très intéressant. Après, il faut voir dans quel usage utiliser ça. Ici, vous en aviez un autre dans une autre style. Presque, je le préfère à celui-ci. C'est pas le même style. Mais pareil, c'est des entrelaçages. Donc pareil, là, vous en avez 4. Et l'autre, vous en aviez que 3. Pour le même prix, 1,99 €. Franchement, c'est pas cher. C'est vraiment, c'était un superbe arrivage, ça, hein, franchement. Et je suis trop contente. Je disais à une copine, mais qu'est-ce que je suis contente? Parce que, en fait, je ne les trouvais pas et je me suis dit, oh là là, quelqu'un est passé et a tout raflé. Mais non, 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 pas du tout. Hein. Pas du tout, du tout. Et là aussi, vous avez des entrecroisements. Vous pouvez tout à fait passer des rubans ou des petits brins de papier, pourquoi pas. Ça peut être vachement sympa. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités ici, là. On vous montre un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. C'est pas mal du tout quand même. Hein. Pas mal du tout. Après, il a trouvé celui-ci en forme géométrique. Hein, ça peut être vachement bien aussi, ça. En évidant une carte. Ça, on peut faire un coin, on peut faire des angles. Ça peut être très sympa aussi. Donc là, il y a deux dice, 1,99 € toujours. Donc celui-ci, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce genre de forme, comme une fleur de lotus peut-être. 12 pour sa partie longue sur 5 cm. 5 sur 12. Vous voyez les possibilités. Donc c'est ça. 5 sur 12. Et je vous le montre derrière, ça donne ceci. Voilà, et vous aviez donc plusieurs possibilités ici pour faire ça. Vous pouvez faire des coins, ça peut être vachement sympa pour faire un cadre. Ouais, ça peut être trop trop bien. Ou dans l'autre sens, comme ici, avec une feuille, une sorte de fleur. Ah oui, et là, en superposition, comme ça peut être vraiment vraiment très beau. C'est chouette, hein, il nous donne des petits trucs pour faire avec, mais franchement, c'est sympa quoi. Oh, j'aime beaucoup cette marque, franchement. J'en avais déjà eu quelques-uns, mais franchement, j'adore. Hein. Franchement, je ne sais pas comment vous les trouvez, mais oh, je suis vraiment contente. Alors, celui-là, il est trop, trop beau. 2,99 €, vous avez deux dice dedans, donc le pourtour et puis l'intérieur. Mais il est superbe aussi, celui-là. Oh,
très très beau, très gros, j'aime beaucoup, regardez. Et voilà ce que ça donne en découpe. C'est vraiment vraiment sympa. Je sais pas si vous avez vu, mais ici vous aviez l'intérieur avec des tout plein de petites coutures, mais c'est trop trop beau. Il est magnifique celui-là. Celui-là est très géant et il fait 2,99 € presque 3 €. C'est normal, il est gros. Et franchement, même à 3 € quoi, c'est. Et il fait 13,2 cm, 13,2 même, 13,2 sur. Bah, c'est carré aussi, 13,2. Voilà, c'est carré. Maintenant, oui, je vois que c'est carré. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, bah, je vous avais pas prévenu, mais je vais le dire. Il faut prendre un café, un chocolat, des biscuits, ce que vous voulez pour me regarder, parce que franchement, c'est trop long. C'est et puis j'ai pas acheté que ça. Hein. Mais voilà. Écoutez, c'est comme ça. Chacun son plaisir. Et celui-là, c'est avec l'arbre, un tronc d'arbre, des feuilles, trop trop beau aussi, avec une chouette en plein vol. Et donc c'est 2,50 €. Et franchement, ça peut être vraiment sympa aussi pour Halloween. Voilà, ça peut être pourquoi pas. Ou alors Edwige dans Harry Potter. Je sais pas. Est-ce qu'elle ressemble à Edwige? J'en sais rien. Mais c'est trop joli, le tronc d'arbre est magnifique. Il est trop beau, regardez les dies ici derrière. Très très joli. Très très joli. J'aime beaucoup. La vieille souche là du tronc d'arbre, trop bien. Et en haut, c'est quoi? C'est la terre, c'est quoi? C'est quoi cette forme ronde? C'est comme un planisphère, non? Pas du tout. Si? J'ai du mal à voir le rond, le cercle, ce que c'est. Il y a la lune. Ça fait un truc comme un peu Halloween, non? Everything will be alright. D'accord, j'ai rien compris, mais voilà. C'est un truc sur la lune. C'est peut-être un machin d'Halloween. Je sais pas. À voir. Dites-moi si vous voulez en commentaire. Le tronc d'arbre, il fait 5,5 de hauteur sur une largeur des racines à racines sur 5,5. Voilà, ça fait comme un carré. La chouette. Ou alors le. Comment ça s'appelle? Un hibou. C'est pas un chouette, c'est un hibou. Ou alors une chauve-souris plutôt. C'est peut-être une chauve-souris plutôt. C'est 7,5 d'envergure. Ça ressemble un peu à une chauve-souris, non? Vous êtes d'accord? Je pense que c'est ça. Donc ça ressemble un peu à un truc d'Halloween. Hein, eh ben voilà, nous voilà. Avec la lune et tout, mais trop bien. La lune ici, vous avez le croissant de lune. Là, c'est la lune entière. Probablement. Voilà, ben, ça peut être vachement sympa pour l'Halloween, tiens. Vachement sympa. Il a pris celui-là en double. Donc, j'ai pensé à vous le mettre en jeu. Donc, je vais organiser un petit jeu tirage au sort. Et donc, pour vous faire gagner ce dice. Donc, dedans, il y a trois dice. Donc, c'est celui-ci qui est en double. Donc, du coup, il m'en avait pris deux fois. Ben, écoutez, je vais vous le faire gagner. Et puis donc, ben, si vous souhaitez jouer pour le concours, je vais donner un petit peu de temps. Ben, il faudra me donner le nom Fleur dans les commentaires. Ça voudra dire que vous voulez jouer au petit concours pour gagner ce die. Et donc, on procédera bientôt au tirage au sort. Donc, à vous de regarder les vidéos pour le tirage au sort. Et voilà, pour vous faire gagner ce dice donc de chez Creative Expression qu'on a pris en double. Et ben écoutez, autant vous le faire gagner. Et puis j'espère que ça vous plaira. Je le trouve très joli personnellement. Et donc voilà, du coup ça peut être très sympa. Donc si vous le voulez, vous mettez le mot fleur dans j'intercalerai peut-être cette petite portion de vidéo dans la vidéo, comme ça, voilà, ça obligera entre guillemets les gens à vous mettez juste dans le commentaire le mot fleur sans préciser je participe machin, comme ça permet vraiment aux gens réguliers de participer au tirage au sort. Et puis, eh ben, moi, ça me fera plaisir
de gâter quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis, par contre, quand je l'enverrai peut-être sans la partie plastique. Je vous le mettrai dans une petite pochette parce que la partie plastique, elle pèse très très lourd. Et puis, bon, voilà, c'est un emballage. Hein. Donc après, je vous mettrai ça dans une petite pochette toute simple. Et comme ça, pour éviter de faire trop de frais d'envoi. Sinon, je ne pourrai pas faire régulièrement des concours parce que, mine de rien, bah, ça coûte très cher d'envoyer tout plein de courriers. Quand vous m'envoyez, il y a juste un courrier. Mais moi, quand je dois envoyer à tous les abonnés, ça fait trop de courriers. Donc, je peux pas malheureusement gérer ça. Donc, un coup, j'écris à l'un, un coup, j'écris à l'autre. Il y a des réguliers, il y a des plus réguliers parce qu'il y en a qui sont depuis longtemps et on a tissé une relation entre nous. Voilà, à vous aussi de pouvoir tisser une relation si vous le souhaitez ou pas. Il n'y a rien d'obligatoire. Et donc, du coup, voilà. Donc, j'intercale ce petit morceau de vidéo dans ma longue vidéo. Et puis, comme ça, ben, vous pourrez participer à ce petit concours. On va dire ça comme ça. Donc, le concours fleurs, d'accord? Ok, vous avez compris, j'espère. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Et puis, on regarde la suite de la vidéo. Merci de votre fidélité. Et alors là, il m'a trouvé le ouf. Sussu, il dort à poing fermé. C'est le ouf ouf, la niche. Voilà, donc très sympa. Et du coup, bah, je suis trop contente parce que franchement, je ne m'attendais pas à un truc comme ça. 1,99 € pour 14 pièces, 14 dies. Et bah là, il y a de quoi faire pour les toutous. La jolie niche, regardez, la belle niche. Franchement, trop sympa. Je suis très contente. Et donc, vous avez même la médaille du mérite pour le toutou. Voilà. Parce qu'il a gagné au concours de beauté, mais aussi. Et là, je vois qu'il y a un chien en même en plus. Et je crois que c'est comme un pookie de ma belle-fille. Voilà. Donc, c'est un chien comme ça. Je pense que c'est comme un bulldog français. Je pense que c'est un peu ce genre de chien. Voilà. Mais très, très bien. Même si ce n'est pas celui-là qui sera dedans. C'est pas grave, on peut mettre n'importe quel chien à l'intérieur de la niche, si tant est que vous ayez un dice de toutou. Alors celui-là, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé, franchement. C'est la voiture avec un lapin, un lièvre ou un lapin. Et en fait, c'est Paper Cut 3D Collection classique à 1,99 € pour 4 dice. Et voici ce que ça donne avec la voiture et le lapin. Ça tombe bien, on est sur Pâques. Mais la voiture est trop trop belle. J'adore. Franchement, trop trop belle. Ah, je suis vachement contente d'avoir trouvé cette voiture. J'adore les voitures, même si je ne conduis pas. Et voilà, du coup, vous allez tout savoir. Et puis là, le lapin qui s'en va, il veut courir avec son homologue. Voilà, donc ça tombe bien, parce que des trucs de Pâques, j'en ai pas beaucoup, et ça va pouvoir être utilisé. Ensuite, on a ceci. Ça aussi, c'est en forme ovale, très joli, comme du dentelé. C'est vraiment très joli. Donc, ici, vous avez 6 dies pour 2,99 €. Il y a des fois, ça monte le prix. Je ne sais pas pourquoi, comment ils font les prix. Mais voilà, du coup, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est du nose. Mais en tout cas, moi, j'étais ravie de trouver ça, qu'on me l'ait trouvé. Et vraiment, j'espère que ça vous plaît. Donc, ça. Je ne vous ai pas dit pour la voiture combien elle mesurait, mais elle est quand même assez longue. La voiture, elle mesure 15 cm. Et en tout, la hauteur avec les oreilles du lapin et les roues, on en a pour jusqu'à 8 cm. 8 sur 15. Franchement, très sympa. Et le petit talus en plus à côté, mais c'est trop bien. Trop, trop bien. Alors, celui-ci, il fait en longueur, il fait 12,5 cm. Sur une hauteur de 9,5, 12,5, 9,5 pour les parties les plus grandes. Donc c'est déjà pas mal. Et ça peut être très sympa. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la superposition pour faire du 3D. Parce que ça, c'est fait pour faire du 3D. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre qu'une seule partie, une autre. Vous avez vu la partie gaufrée ici à l'intérieur, là, mais c'est super chouette. Ah ouais, je les vois bien en plus, c'est super chouette. En plus, ces dies-là sont épais, ils coupent super bien, ils sont très épais, c'est un peu comme les dies Spellbinder. Franchement, très très sympa. Très très sympa.
Vous aviez également, là, ici, 8 dice pour 2,99 € également. Donc, c'est des dice de bordure. Pareil, c'est vachement sympa pour faire les bordures. Donc, là aussi, vous pouvez faire de multiples choses, des montagnes, des routes, tout ça. C'est trop, trop sympa. Ils en vendaient à Action, hein, de ce genre de trucs. Mais les dies sont beaucoup plus fins. Celui-là, là, vous avez des petits trous, des petites des effets couture ici, là, sur ça. Et en longueur, ça fait la longueur. Ça nous fait du... Alors, dans l'autre sens, c'est mieux. 14 cm. Ouais, 14 cm en longueur. Voilà. Bon, après, ça dépend des motifs de... Pardon, 1 cm, voilà, je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée. Voilà, ben, ça arrive, hein, voilà, qu'on baille. On est des humains. Il y a une bonne fortune, hein, mais bon, voilà. Du coup, ici, il y a une autre forme, très jolie aussi. Donc, pareil, hein, je vous montre tout ça. Peut-être que je ne garderai pas tout. Voilà, donc, du coup, y en a qui je réfléchis encore. Je pourrais toujours les ramener. À 2,99 €, vous avez 4 dies, mais il est très joli aussi celui-là, en forme de fleurs, des formes, voilà, vous pouvez mettre en carré comme ça, regardez, c'est joli, un entrelaçage comme ça, pourquoi pas, et ça peut être très sympa, ça peut donner des idées pour faire des trucs. Après, à voir, il faut vraiment regarder la forme et s'inspirer pour... Il y en a encore d'autres, des géants. Donc là, vous aviez 2 dies pour 2,99 € parce qu'il est très très grand également. Celui-là est très très grand, franchement. Il nous fait 21 cm. Je ne sais pas combien ça coûte sans réduction, hein, je n'ai aucune idée. Sur presque 7 cm, 6,5. 6,5 de haut. Mais franchement, ça pour faire des bordures, des petits livrets. Pour mettre sur le bord des livrets ou des choses comme ça, mais c'est trop bien, quoi. Trop, trop bien. Toujours avec ces effets couture, mais j'adore ces dies. Oh, franchement, j'adore ces dies. Hein. C'est très, très joli. 21 cm sur 21 sur 7, le plus haut. Franchement, très, très beau. Regardez-moi ça. Très, très joli. J'aime beaucoup celui-là. J'aime bien ce genre de forme. Un peu antique, un peu voilà, vintage, c'est vraiment mon truc. C'est vraiment, j'aime bien faire ça. Ensuite, vous aviez celui-ci. Pareil, ça fait partie des choses, voilà, que je me dis que ça peut revenir au magasin, mais peut-être pas, parce que ça peut être très bien pour faire des petites bordures, des petits coins, comme ils mettent là. Franchement. 2,99 €, celui-là c'est un grand également, et dedans vous en avez 3, 6, 6 parce que vous avez les pourtours en fait. Donc vous avez des petits coins comme ça, ici, et après donc la belly band là. Donc pareil, ça peut être très intéressant. Celle-ci, elle nous fait 16 cm, 16 sur 2,5 de hauteur, et les angles, les petites fleurs là, ça nous fait 3,5, 3. 3 cm de haut sur une longueur de 5, 6 cm. 6. 6 sur 3,5. Voilà. Franchement, c'est très sympa. Donc après, voilà, faut étudier la question. Celui-ci, je l'ai trouvé magnifique aussi, comme un nœud papillon. Il est très joli. Celui-ci faisait 2,99 €. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est joli. Il est très joli aussi celui-là. Ça fait comme un nœud pape. Nœud papillon. Ouais, ça peut être très sympa en embellissement. Ça peut être très joli. Celui-ci, il fait 9,5 de longueur sur une hauteur de 6 cm. 5,5. Pour être exact. 5,5. Et celui-là. 10 cm, c'est ça. C'est joli, hein? Moi je trouve ça joli personnellement. Voilà. Ensuite, celui-ci qui est très joli aussi. 5 dies, vous avez pour 2,99 €. Donc c'est assez chargé,
Mais en même temps, c'est vraiment joli. Voilà, donc après, comme je vous dis, il y en a qui retourneront au magasin probablement. Parce que je pourrais peut-être pas tout garder. Mais à voir. Franchement, c'est très sympa. Très très sympa. C'est chouette. Je suis trop contente. Trop trop contente. Voilà pour celui-ci. Je vous ai pas donné ici la hauteur et tout ça. Ça nous fait presque 11, ça fait 11 cm, 11,5 même. 11,5 sur 10. Voilà, c'est celui-là, 11,5 sur 10. Après, vous avez celui-ci qui est également magnifique. Celui-là me plaît beaucoup, comme des montagnes assez chargées, des petits angles. Là, ici, il y a un œuf au plat. Non, non, c'est pas un œuf au plat. Donc, pareil, là, vous en avez en tout, je ne sais pas, ils ont masqué au-dessus, 3,50 aussi, celui-ci. Il est assez grand, mais quand même, il y en a beaucoup dedans. J'essaye de pas trop détruire le prix, parce que si je ne le garde pas, non, je ne vais pas retirer, tant pis. En tout, vous en avez 1, 2, 3, je pense qu'il y en a au moins 5, 6. Donc pareil, 3 cm, non, avec les montagnes, ça nous fait 4 cm. 4 cm sur une longueur de 19 cm quand même, hein. 19 sur 4 pour celui-ci. 19 cm sur 4 avec les petites montagnes. Et les petits angles là sont très sympas aussi. Franchement, ça peut être vachement bien. C'est 4 sur 4. C'est ça. Et l'autre espèce d'ovale, il fait 6,5 cm sur 4 aussi. Donc ça, c'est un carré de 4 sur 4, 6,5 sur 4 pour celui-là. C'est celui que j'appelais le faux plat. Voilà, ça fait quand même un faux plat. Pourquoi pas, pour tout. Soyons vous, hein? Voilà, j'espère que ça vous plaît toujours autant. C'est un peu long, je suis désolée, mais c'est comme ça. Voilà, donc il y avait beaucoup, beaucoup d'arrivages. Donc voilà, du coup, celui-là à 3,50 également. Donc il y a 4 dies. Donc après, à voir aussi pour celui-ci. Il est très long également. Il nous fait 18 cm sur à peu près maximum 3 sur les hauteurs. Ici, c'est voilà, 19 sur 3. Donc là, pareil, pour faire des bordures, ça peut être sympa. Portugaise collection. En bas, vous avez marqué les trucs à chaque fois. Donc, vous pouvez le lire en screenant la photo. Voilà. Donc, du coup, voilà, différents motifs. Ensuite, vous aviez celui-ci, qui est assez sympa aussi, 1,99 €. Donc ça c'est Fram et Tag, An Elegant Collection of High Quality. Ça c'est vrai. C'est une belle collection avec des dies de qualité. Et regardez-moi cette jolie forme aussi. Très sympathique. Donc celui-ci nous fait 11 cm sur 11 sur 7. 11 sur 7. Voilà. Donc c'est très joli. Et comme toujours, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Je vous donne les petits détails comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la totalité à chaque fois pour voir les choses, quoi. Voilà. Ensuite, ici, vous en avez un autre qui est de toute beauté également. Donc ça peut faire une carte à voler, Craft Die, Endless Option, Delilah, Background. Donc c'est un fond, élégante collection, voilà. Donc ça c'est 2,99 €. Franchement, c'est trop beau. Regardez-moi ça, c'est super joli. Enfin, moi j'aime bien, avec des fleurs comme ça. Faire des cartes, c'est trop bien. Trop trop bien. Regardez-moi tous ces détails. Voilà, c'est vraiment très très joli. Pour vous dire, donc ça fait 14 sur 11. 10,5. 10,5, 14. Presque 11. Avec les grosses bordures sur le côté, ça fait presque 11.
Franchement, il est joli, celui-ci me plaît beaucoup. Voilà. Allez, il m'en reste encore deux. Alors, celui-là, il est avec des feuilles. Du raisin, peut-être. Je crois que c'est des grappes de raisin. Il peut être pas mal au niveau de la forme aussi. Donc, celui-ci, il y a 3 dies pour, je ne sais pas où est le prix, là, 1,99 €. 3 dies. Et donc, vous avez comme des, on dirait des, ouais, des feuilles, des grains de raisin. J'aurais dit ça, je ne sais pas. C'est très joli aussi. Il est pas mal celui-là. J'aime bien le pourtour. Il y a beaucoup de détails. Je trouve ça vraiment chouette. Voilà. Et pour terminer, celui-ci est également très joli. Ah, c'est celui-là qui avait les grappes de raisin. Donc, on peut faire pas mal de choses. Donc, des bordures, des choses comme ça. Ça peut être très joli aussi. Donc, regardez-moi ça. Ça peut être très sympa pour faire des cartes sur les vendanges, tout ça, c'est vraiment très sympa. Voilà. Pour ceux qui sont amateurs de vin, vous avez là des petites feuilles gaufrées, des petites grappes de raisin, et même si, voilà, pourquoi pas mettre à l'automne, puisque donc, on peut tout à fait... Donc ça, c'est une frise qui fait, donc, en longueur totale, 12,5 cm avec les raisins et le haut. Ça nous fait jusqu'à 4 cm à peu près, quoi. Ben, c'est pas mal. Voilà. Voilà la fin de ces dies de chez Creative Expression. Je pense que je vais faire en deux fois ma vidéo. Là, je vais laisser avec cet arrivage donc, de matrice de découpe. Voilà. Donc, je pense qu'il y en a certains qui vont peut-être retourner... au magasin, je sais pas encore lesquels, ou je les garde et puis je verrai ça plus tard. Voilà, donc il y en a qui me demandent un petit peu de réflexion parce que c'est pas le tout d'avoir les choses, mais c'est aussi de pouvoir s'en servir et d'avoir l'occasion aussi de s'en servir, quoi. Parce que voilà, si j'ai pas l'occasion, je vois pas l'intérêt de les garder. Garder pour garder, ça ne m'intéresse plus. Et puis donc voilà, du coup, bah, ça peut être très sympa. Et voilà, donc voilà. Et voilà, donc ce premier All Nose est terminé. Je vais vous montrer une deuxième partie, donc un peu plus tard, parce que là, je voulais vraiment vous montrer l'arrivage Creative Expression pour que vous puissiez également aussi en profiter. Je vais essayer de mettre les vidéos rapidement, voilà, donc que vous puissiez voir dans vos noses respectifs aussi s'il y a un modèle ou un autre qui vous intéresse. Voilà, donc du coup, voilà. Donc, ben, je vous remercie vivement de votre attention. Je vous fais plein de zoubiscrap. Merci de votre fidélité ainsi que bienvenue aux nouveaux derniers abonnés. Il y en a plusieurs qui sont arrivés et vraiment, ça me fait super plaisir et j'espère vous revoir très bientôt. Et en tout cas, je vous souhaite un beau week-end, une bonne journée. Là, c'est le week-end, mais peut-être que quand je vais mettre cette vidéo, peut-être demain, oui, peut-être demain dimanche. Voilà, donc on est samedi aujourd'hui, donc voilà. Donc, je vous fais plein de zoubiscrap. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye bye!